sans capote. Je vous demande de faire vraiment un maximum de bruit pour Monsieur Norman Osni. Waouh, quel kiff, vous avez tous à boire en plus, vous êtes bien installés. Ravi, bienvenue à Sans Capote, je suis très heureux, vous avez l'air hyper décontracté, toi à l'aise Blaise, je suis content, t'as mis ton manteau comme une couverture. On dirait que tu vas te couper les ongles des pieds, t'es à la maison, vraiment, t'es bien, j'apprécie. Je veux que les gens se sentent un peu comme dans leur salon, alors là on va commencer, je vous dis tout de suite, hein. Moi, pour monter sur scène, c'est un métier tellement chelou, j'ai besoin vraiment de me mettre dans l'esprit que vous êtes tous mes potes. D'accord. Donc j'espère que ça va être réciproque, parce que je vais vous dire des trucs normalement que je dis à mes potes, ok. J'ai un délire, je sais pas s'il y en a qui sont un peu comme moi, mais j'adore écouter les gens au téléphone. Dès que je vois des gens au téléphone, j'écoute ce qu'ils se disent. Alors j'essaye de deviner l'autre partie de la conversation, mais c'est un petit délire que j'ai. Et j'entends, il y avait une meuf qui était au téléphone, donc j'écoute, normal. Et là j'entends un truc, la meuf est là, non mais je te jure, ouais. Non mais le mec, il pue à des couilles. Et là je me dis... C'est une conversation que j'ai envie d'écouter, d'accord? Je vais être très focus sur cette conversation, j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette conversation. Ah mais il pue à des couilles, s'il te plaît, le mec, il voulait que je le suce. Bon déjà, ce qui m'a choqué le plus dans ce truc, c'est que le mec pue à des couilles, je trouve que c'est hyper localisé comme odeur. Mais normalement on dit, il pue de la bite, tu vois, on dit ça. C'est-à-dire que si la meuf a dit que le mec pue à des couilles, je me dis, le mec devait vraiment puer des couilles. Je sais pas, il devait se tremper dans la merde avant de baiser. C'est très étrange d'entendre ça. Et l'autre truc qui m'a choqué au-delà de ça, et c'est là qu'on va commencer à vraiment que vous soyez potes avec moi, et en même temps c'est une vérité, ce qui m'a choqué quand j'entends une meuf dire « Ouais, là, le mec il pue à des couilles », alors je vous le dis, les filles, vous aussi vous puez de la chatte, voilà. Je sais que c'est un peu tabou, on peut pas vous dire que vous puez de la chatte, mais c'est une vérité, c'est-à-dire que toutes les meufs là, toutes les meufs, même toi t'es très jolie, toutes les meufs, ont déjà pué de la chatte, d'accord? Tout. Pourquoi je dis ça? Parce que quand c'est la première chatte que tu lèches, tu t'en souviens, voilà. Alors j'ai découvert un truc, alors je savais pas, les mecs on sait pas trop que ça existe, mais il y a un truc qui s'appelle l'ovule vaginal, c'est le gynéco qui donne, c'est une espèce de suppositoire pour touche. Les meufs elles mettent ça, et ça sent la lavande, tu sais c'est... Je trouve ça génial. On devrait nous faire la pub de ça, de l'ovule vaginal, tu vois. Je dis ça, écoutez, j'ai 17 ans, c'est la première fois de ma vie que je vais baiser. Je suis comme un fou, j'ai le cœur qui bat, etc. Je suis au lit avec la meuf, je regarde le plafond, je suis trop gêné. Et tu sais, elle commence à me faire des petits bisous dans le cou, je kiffe, elle commence à me lécher le téton, Je savais pas que je kiffais ça, mais alors je kiffe qu'on me lâche le téton. Parce que y a pas tous les mecs qui kiffent, mais les meufs, testez tous les mecs. Il y a des mecs qui kiffent vraiment le truc du téton, tu vois. Et là, elle descend, et moi je regarde le plafond, je suis tétanisé quoi, je suis là et en même temps je kiffe et à un moment je sens que ça suce, d'accord, je sens que ça suce, mais on m'a jamais sucé de ma vie, je sais pas si elle me suce, j'ose pas regarder, je suis là et de ce que j'ai vu dans les films j'ai bien l'impression que c'est une pipe, tu vois, je veux checker pour être sûr que ça suce, tu vois, donc je check, effectivement ça suce, donc là je suis très content et j'aime tellement ça que je me dis attends, j'ai passé un moment délicieux, merveilleux, moi aussi je vais lui bouffer la chatte. Alors, attention, là je le dis, parce que tu sais qu'aujourd'hui, on vit une époque formidable, il y a beaucoup de femmes qui se sont battues pour parler de sexe sur scène, pour parler de cul, vraiment. Il y a des humoristes excellentes comme Tania Dutel, Blanche Gardin, vous allez voir, plein d'autres femmes comme ça. Et les femmes se sont battues pour pouvoir parler de cul. Alors, moi je le dis, les femmes, je suis de votre côté, les gars, on bouffe la chatte de sa meuf, d'accord? Ça s'appelle être un gentleman. Gentleman. Donc j'y vais, elle a encore la culotte, j'arrive devant la culotte, là... Tu connais pas la chatte, tu fais la bise, peut-être j'ai jamais vu. On fait tout ça. Au moment où je fais le bisou, il y a une odeur qui me frappe. D'accord. C'est vraiment fort, j'ai plus une droite par l'odeur. Et moi, c'est la première fois que je sens une chatte de ma vie, tu vois. Qu'est-ce que je me suis dit dans mon esprit d'ado à ce moment-là? Je me dis, c'est pour ça on appelle ça une moule. C'est ça la raison. C'est ça la raison. Et moi, j'aime pas la paille là. C'est pas mon plat. C'est pas mon. Mais je me dis, bon, ça se trouve, ça, c'est ça l'odeur de la chatte, de toutes les chattes. C'est la première chatte que je donne. Donc je me dis, bon, bah, c'est ça l'odeur de la chatte entière, tu vois. Et je me dis, je vais pas passer ma vie à pas bouffer de chatte. Donc on est vaillant, on y va, d'accord. J'enlève la culotte.
Alors là, ça renfermait encore des trucs, des effluves, des machins. Je voyais les odeurs, là, je disais, oh putain. Et là, je comprends une chose, je ne peux pas mettre ma langue dans cette chatte, c'est impossible, d'accord? Mais sauf qu'on peut pas le dire, les mecs. Tu sais, moi, je suis là, je suis trop engagé pour faire... En fait, non, j'ai changé d'avis. Je peux pas le dire, je suis gêné. Je suis là, je sais pas quoi faire. Première feinte que j'utilise, que je vous invite les gars à utiliser, je commence à utiliser la lèvre inférieure pour faire forcer ma langue. Donc je suis là. Un peu le nez. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de nez de mecs qui sont allés dans des clitos, qui ont été dans des clitos. Et à un moment, j'en peux tellement plus, je te jure. Je commence à utiliser mes doigts, mais pour faire croire que c'est ma langue, je respire à côté comme ça. On est potes, hein, je l'ai dit. Hein. Et à un moment, je pense que j'ai atteint une espèce de temps réglementaire. Je me dis, bon, bah, c'est bon, je peux doigter. Donc je commence à doigter. Je te jure, c'est bizarre d'utiliser le mot doigter adulte. Ado, on l'utilisait, mais adulte, c'est. Ado, quand on doigtait une meuf, on se la pétait. Hein. Allez, doigter, les gars. Alors que quand t'as passé un certain âge, tu peux plus faire à tes potes. Ouais, donc j'ai doigté Françoise. Ouais, tu la pètes plus du doigté, quoi. Et je peux vous dire un truc, hein. On l'a peut-être pas dit aux meufs, ça, mais les mecs, on a des trucs. Si vous vous rappelez des premières meufs qu'on a doigtées, ce qu'on faisait, on doigtait les meufs, et après, on faisait sentir nos potes. Enfin, sans... C'est Audrey, sans. On était des ouf. Les mecs, on était des animaux à l'adolescence, on était des psychopathes. Je la doigte un bon moment, je le sais, parce que quand mes doigts sortent de là, ils sortent du hammam, hein. Ils sont fripés, ils ont fait un spa les doigts, ils sont détentes. Et là je me dis, bon ça y est, c'est parti, je vais enfin pouvoir faire l'amour, c'est parti, on y va. J'y vais, et moi c'est ma première fois, pas elle, d'accord? Elle a pris mes doigts avec lesquels j'avais bossé, parce que c'était du taf là, tu vois, et elle commence à sucer et lécher mes doigts. Moi, quand je vois ça, je me dis une chose, je me dis, je ne l'embrasserai plus sur la bouche. Non. Elle le sait pas encore, mais demain, elle a la langue gonflée. Tu ressors pas indemne de ce qu'il y avait là-dedans. C'est à la minimum une inflammation, elle a un truc, tu vois. Donc je vois ça, je suis pas très à l'aise. Et là, elle retire mes doigts de sa bouche et elle les dirige vers moi. Elle veut que moi aussi, je participe à la lèche. Donc, je sais pas si vous avez vu la scène du couteau dans les films. Ça va jusque-là? Ouais. Ok, on va attaquer la deuxième fois où j'ai baisé. Alors là, il y a quand même un truc, c'est que... Alors nous à l'époque des... Moi, en tout cas, à l'époque des premières baises, bon, bah, on n'avait pas tous les trucs d'internet, je connaissais pas grand-chose, franchement, je connaissais rien du tout. Et j'étais chez une meuf, elle était en train de me masser, j'étais bien en train... Je savais que j'avais baisé parce qu'elle me massait sans le caleçon. Elle avait enlevé le caleçon, donc je me dis... Non, franchement, je vous le dis, hein, s'il y a des meufs ici qui massent des mecs, qui enlèvent le caleçon et qui baissent pas après, ça se fait pas. Parce que nous, quand on enlève le caleçon, nous, on se dit, ça y est, c'est parti, on va baiser, tu vois, on est sûr. Et donc je connais rien au cul, etc. Je suis en train de me faire masser, je suis content, j'ai placé mon truc comme il faut pour pouvoir bander allongé sur le ventre. Je suis bien. Et à un moment, de nulle part, c'est-à-dire que j'avais rien qui pouvait préparer à ce qui s'est passé après, et pourtant je vous souhaitais à tous de l'avoir vécu, mais la première fois, vraiment, je pensais même pas que ça pouvait exister, il n'y a aucun doute. Mais sa langue est dans mon anus. C'est-à-dire que moi je suis... J'ai rien qui me permet... Je n'ai aucune grille de lecture à ce moment-là de ma vie qui me permet de comprendre ce qui est en train de se passer en ce moment. Je suis complètement là et je peux aller ni en avant ni en arrière. Je suis vraiment pris et je suis... Alors j'ai eu le réflexe, j'ai voulu serrer les fesses, mais j'ai eu peur de la pincer, du coup... J'ai juste fait un petit frisson comme ça. Elle a pris ça pour un frisson de plaisir. J'ai eu du vide parce que... Et à un moment, j'ai kiffé. Un moment, j'ai cambré, j'ai dit, bon, tu sais quoi, vas-y, kiffe le moment jusqu'au bout. Et là, je vous le dis, hein, je sais pas parmi vous qui s'est fait bouffer le cul ou pas, mais je vous le dis, la première question, la première fois que tu te fais bouffer le cul, le premier truc que tu te dis, c'est, attends, la dernière fois que je me suis torché, est-ce que j'ai été méticuleux ou c'était une fois vite fait, parce que là, et là, j'essaie de réfléchir à ce moment-là, tu sais, avec la pression d'une langue, c'est très compliqué à se rappeler. Enfin, tout ça pour dire qu'à partir de maintenant, à la maison, c'est lingette. Voilà, lingette. Ah. Je suis bien avec vous. J'ai compris un truc. Alors là, je sais que c'est toujours délicat de dire ça, surtout pour les femmes, mais moi, par exemple, j'ai compris que je voulais pas d'enfant. Et j'ai compris que je voulais pas d'enfant au deuxième. Au deuxième moment, j'ai dit, ah, bah non, en fait, j'en voulais pas. Alors, j'ai deux enfants de deux mères différentes. Et ma femme
n'est la mère d'aucun des enfants. Non. C'est un début de vie relou. C'est un début de vie relou. Alors, c'est vrai que dans le stand-up, il y a un truc qui est incroyable, c'est que normalement, les gens ont besoin de s'identifier à l'humoriste. Et on l'entend dans vos rires, parfois, on entendait « c'est trop vrai, c'est trop moi, c'est trop moi, c'est trop vrai ». Alors là, je vous dis, à partir de maintenant, plus je vais avancer dans le spectacle, plus vous allez prendre de la distance par rapport à vous. Alors, deux femmes, c'est très complexe à gérer. C'est très, très complexe à gérer. Alors, la dernière, je sais pas si on a vu... Il y en a qui ont vu le premier spectacle ? Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit un deuxième. Voilà, je me dis, il va falloir que... J'ai un premier spectacle qui s'appelle Histoire de Weed, où on fume tous. Celui-là, j'ai failli l'appeler Histoire d'Anus. À un moment, je veux dire. Alors, quand la dernière année, j'ai commencé à me mettre dans l'idée d'écrire ce spectacle. Et il y a un truc qui est fou. Je sais pas. On a des papas dans la salle ? Par applaudissement ? Ouais. On est sur une fin de l'humanité. On est clairement. On est clairement. Il y a un truc qui est incroyable, c'est que quand ton enfant vient de naître. Je sais, il y a un truc qui naît, c'est que tu as envie que ton enfant, même les premières 24 heures, te regarde avec les yeux. Tu veux être le patriarche, tu veux que ton enfant t'admire, etc. Et je me rappelle, c'était les premières 24 heures. Elle vient de naître, la petite, et il y a sa mère qui lui donne le sein. Je suis là à la maternité, j'hallucine de ce que je suis en train de voir, tu vois. Et là, sa mère qui lui donne le sein, elle me regarde, elle fait « Par contre, faut que tu la prennes, j'ai envie d'aller pisser. » Et moi, ce que je me dis à ce moment-là, c'est que si je prends la petite du sein de sa mère, elle va pas me voir cool, elle va me voir c'est qui cet enfoiré qui m'arrache de ma bouffe, quoi. Je suis en train de manger et j'ai pas envie qu'elle me voit comme ça. Je dis non, tu termines de lui donner le sein et après tu vas faire pipi. Elle fait non, je peux pas me retenir. Le bruit que ça fait. Elle me la file et la petite elle commence à pleurer évidemment. La mère est partie aux toilettes, je suis emmerdé, je sais pas quoi faire. Alors les obstétriciens, les gynécologues, ils te disent normalement il faut mettre le petit doigt dans la bouche, ça calme les bébés. Sauf que moi j'ai pas cette info là. Moi le seul truc que je me dis c'est mes seins n'ont pas de lait en fait. Donc je suis emmerdé. Et je sais pas quoi faire, elle pleure, j'ai mis mon nez dans sa bouche. J'ai fait pour laquelle. Et elle a commencé à me tétainer. Alors ceux qui n'ont pas de nourrisson ne sont pas au courant de ce que je vais vous dire. Mais un nourrisson, là, les deux premières semaines, a un pouvoir de succion exceptionnel. Parce que c'est fait pour déboucher un sein, tu vois. Et moi je m'attendais pas à ça, donc ça commence à me tétainer comme ça. J'ai eu un succion sur le nez, les gars. Si j'avais été un ado, j'aurais plus de points noirs, plus d'excès de sébum. Biactol, pendant deux semaines, c'était Biactol, la petite. Alors, la deuxième, c'est la plus grande, donc c'est un autre délire, la fille aînée. Alors, la petite, maintenant, elle a 2 ans et demi. Ma fille aînée, elle a 14 ans. Ouais. Putain, il a quel âge, le mec ? C'est quoi, le délire ? Attends, mais c'est quoi sa vie, quoi ? Ouais, très compliqué. Alors, c'est une histoire un peu spéciale, donc on va rentrer vraiment dans mon intimité. J'ai vécu une histoire d'amour avec la mère de la plus grande qui a duré un mois. Ce qui est court en termes de faire des enfants. Alors, elle prenait la pilule. Les gens parlent de machin. Alors, elle prenait la pilule. Quand je lui disais que dans les statistiques, je suis loin, je fais partie des fameux 0,01% de la notice de la pilule. C'est moi. Hey. C'est moi, merci. Franchement, je vous jure, si j'avais su qu'un jour je rirais de cette histoire, au moment où ça m'est arrivé, j'ai cru que c'est la fin de ma vie. Donc on se sépare. Après un mois, elle sait pas qu'elle est enceinte, qu'elle est sous pilule. Moi non plus, ce qui aurait été très bizarre que moi je sache pas elle. Ouais. Et elle fait en plus de ça, d'être tombée enceinte comme ça, elle fait ce qu'on appelle un déni de grossesse. Donc, je sais pas s'il y en a qui sont familiers avec la notion de déni de grossesse. En gros, la meuf est enceinte, mais son corps le fait comme si non. Tu vois. Donc elle fait comme si elle était pas enceinte. Et elle a appris qu'elle était enceinte après 7 mois et demi de grossesse. Donc pendant tout ce temps-là, nous, on se parle plus. On n'a plus de relation. Sauf que pendant tout ce temps qui vient de se passer, là, moi, je ressors avec une meuf. Et je retombe très amoureux. Je suis très, très amoureux. Ça fait 5 mois et demi que je suis avec cette fille. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui sont dans une histoire, ça fait 5 mois et demi. T'es très amoureux à 5 mois et demi, d'accord ? T'es vraiment dans le love total. Ça fait 5 mois et demi que je suis avec cette meuf. Et là, j'ai le coup de fil. Allô, Noman ? Ouais, c'est moi. Tu te souviens de moi ? Vite fait. Franchement, j'ai pas un souvenir. Ok, assis-toi, j'ai un truc super important à te dire. Assis-toi, c'est chaud. Alors je vous dis, quand une ex t'appelle en te disant assis-toi, c'est chaud. Moi, le premier truc que je me suis dit à ce moment-là, c'est j'ai le sida. Voilà. C'est parti. Alors, faut quand même... C'est quand même ouf parce que clairement, la réflexion que j'ai partagée avec vous, je l'ai eu vraiment très 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 foncedée. Mais je me suis dit, c'est quand même ouf parce que le sexe, c'est ce qu'il y a de mieux au monde, d'accord ? C'est le mieux, c'est une drogue gratuite, quoi, tu vois. Bon, il y en a qui payent quand même, mais non, au pire, tu la trouves au bout de ton bras, mais... Oui, c'est le meilleur truc au monde, le sexe, mais tu n'attrapes que
t'émerdes avec. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bon qui découle. Sur le moment, c'est cool. Et après, t'attrapes des virus, sida, syphilis, enfants. Il n'y a rien de bon qui découle du sexe, d'accord? Et je me dis, est-ce que ça serait pas intéressant que plutôt de choper des virus, les scientifiques se réunissent, ils nous font une espèce d'antidote, et au lieu de choper un truc négatif, du sexe, tu chopes une capacité de l'autre. Genre, tu couches avec une meuf, une anglaise, allez, tu couches avec une anglaise, et le lendemain, how do you do, putain? How are you? I'm fine. Putain, c'est quoi le délire, tu vois? Non, on appellerait ça des LST, des langues sexuellement transmissibles. Ça serait la fin du racisme. Ça serait, tous les mecs, on devrait coucher avec toutes les meufs de tous les pays du monde. On serait un peu bizarre, les mecs. Dès qu'on verrait une meuf qui parlerait 8 langues, on serait putain, la salope. Putain, putain de polygote. Il y aurait des langues genre. Il y aurait des putes qui parleraient le grec ancien. Ça serait 2000 euros la passe. Que pour les geeks. Bon, bref, j'étais au téléphone. Et là, franchement, je crois vraiment que je suis sur repos. Je suis pas bien. Et là, écoute, voilà, je suis enceinte de 7 mois et demi et c'est toi le père. Putain, tu m'as fait flipper. Wouh, oh la vache. Et là, je réalise que je vais être papa, tu vois. Alors, il y a une partie de moi qui est heureuse, tu vois, quand même. Et une partie de moi qui... Pas parce que j'ai pas le sida, déjà. Et une partie de moi qui flippe parce que, je sais pas si vous vous rappelez, mais je suis avec une meuf depuis 5 mois et demi dont je suis très amoureux et je vais devoir annoncer ça à une meuf. Je sais pas si ça arrive à des gens. Voilà ce que je disais, tu vois. Et du coup, je sais pas quoi faire et je décide de l'inviter au restaurant. Parce que je me dis, quitte à annoncer une nouvelle un peu difficile, autant bien manger. En plus, elle avait jamais été à Flutch. Je me dis, bon, bah, c'est l'occasion, tu vois. Alors, très mauvaise idée le resto. Je vous dis tout de suite, t'as une nouvelle un peu difficile à annoncer à la personne que t'aimes. Le resto, très. Elle a cru que c'était une bonne nouvelle. C'est-à-dire que quand on est arrivé au resto, elle, les étoiles dans les yeux. Il va me demander. Elle était vraiment. On n'avait pas de thunes, on est au resto. Pour elle, c'était un truc de ouf. Elle s'installe, elle commande du vin. Je lui dis franchement, prends du whisky. C'est un conseil. J'ai pas tourné autour du pot, je lui dis direct, écoute, voilà, je vais être papa. Je te rassure, c'est pas toi la mère. Pas du tout qui fait ma vanne. Et voilà, aujourd'hui, je suis papa. C'est merveilleux. Ils ont quel âge, toi, tes enfants? 30 ans. 30 ans. Moi, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, mais là, moi, j'aide ma fille à faire les devoirs, tu vois. Mais je sais que là... Tu sais, c'est 14 ans, je sais pas jusqu'à quel âge t'as aidé tes enfants à faire leurs devoirs, mais là, 14 ans, tu sens que t'es dans la merde, d'accord? Tu sens que ça devient chaud, tu sais, t'es obligé d'aller faire des tutos sur YouTube pour poser une division, tu vois, c'est... Et si, pour vous dire, c'est que là, ils arrivent à des âges où les exercices de maths, ils sont tellement durs, ils ont plus des titres d'exercices de maths, ils ont des titres de films, tu vois? Les identités remarquables. C'est avec Catherine Deneuve, ça, non? Je l'ai vu, non? C'est XY, bon courage, on y va. Moi, je me rappelle, mon père, il a voulu m'aider à faire les maths à un âge... Parce que les Arabes, on est très fiers avec les mathématiques, tu vois. Alors, on a appris à multiplier les chiffres, les inventer, mais mon père, il savait pas qu'on pouvait multiplier les lettres. A fois B, il a... Tu sais, bah, AB, tu sais... Et je me rappelle de sa tête devant le cahier de maths, il m'a regardé, il a fait... Il faut tricher, voilà. Donc, pareil là, la petite, les enfants, j'ai vraiment envie de les mettre à l'anglais. Là, la petite, 2 ans et demi, elle regarde Netflix en anglais sans sous-titres. Je me dis, voilà, la grande, pareil, on y va, l'anglais à fond. La grande, elle a fait le voyage en Angleterre. Je sais pas s'il y en a qui l'ont fait en 5e, ils font un voyage, ils partent en Angleterre. Et je sais pas si vous rappelez, les collégiens, quand on arrivait à Londres, on est un peu comme ça, les Français. C'est qu'on croit que personne parle français à l'étranger. Et donc, on parle très fort. Moi, ma première phrase que j'ai eue pour les Anglais, c'est salut les fils de pute. Et en fait, il y en a, je pensais pas qu'ils comprendraient, tu vois, mais il y en a, attends, il faut faire très attention. Okay. Je vous parle de ça parce que l'histoire qui va suivre, c'est le genre d'histoire que je racontais à mes potes et c'est mes potes qui m'ont convaincu de... Tu sais, quand tu es humoriste, c'est toujours à un moment donné tes potes qui font « Ah, tu devrais la raconter sur scène, celle-là, tu devrais la raconter sur scène !» Et c'est ce que je vais faire, donc j'espère qu'ils ne sont pas... Écoute, je suis en Angleterre et j'essaye d'apprendre l'anglais de tout mon cœur. Moi, j'ai vraiment, c'est un de mes rêves, c'est de pouvoir jouer en anglais, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Mais à l'époque, je parlais pas du tout anglais. Pour vous dire à quel point mon anglais était pourri, je me rappelle que j'essayais de l'exercer tout le temps. Je suis dans le taxi et je parlais d'un humoriste que j'aime bien qui s'appelle Ricky Gervais, parce que c'est un artiste d'Angleterre. Donc je parle de Ricky Gervais dans le taxi. Et le mec, il me fait comprendre qu'il aime pas trop. Et en fait, à la fin du trajet en taxi, je comprends qu'il a pas du tout compris Ricky Gervais, il a compris British Airways. C'est pour vous dire à quel point mon anglais c'était de la merde, d'accord? J'étais naze. Et là, je suis dans le métro, ils appellent ça le tube en Angleterre. Je suis dans le métro. Et il y a 4 Françaises qui rentrent. Comment je sais qu'elles sont Françaises? Parce qu'elles se mettent à parler super fort. Non mais je te jure le mec quoi. Non mais un truc de malade. Et du coup, comme je comprends la conversation et que j'adore écouter les conversations, j'écoute cette conversation. Et à un moment, elle commence à parler sur moi. Donc j'écoute avec un intérêt croissant, tu vois.
Et la meuf, elle dit des trucs cool, genre, hey, il est trop mignon le mec. Le mec, il est mignon quoi. Donc moi, je suis doublement flatté parce que, un, trop mignon, et deux, là, à ce moment-là, elle croit que je suis british. Même moi, dans mon attitude, je suis devenu british. J'étais, alright. Oh, imitation très raciste de l'anglais, là, que je suis en train de faire. Alright. Là, j'ai vu le film avec Freddie Mercury, donc peut-être ça m'a. Alright. C'est pas bien, c'est pas bien. Et alors, il y a une des meufs qui fait « Attendez les filles, on est à Londres, on est en vacances, fuck, je m'en fous, je vais lui parler quoi, on est en vacances. » Et là, je commence à flipper. Parce que si je réponds en français, j'installe un gros malaise, tu vois. C'est sûr que je les ai entendus. Et si je réponds en anglais, ben, tout le wagon va dire « Pourquoi ils ne leur parlent pas dans leur langue, ils ne parlent pas la nôtre, qu'est-ce qu'il y a en français ?» Je suis emmerdé, tu vois. Les meufs arrivent devant moi, et donc la meuf qui me kiffe, elle arrive devant moi, comme ça, elle me fait excuse me, I'm lost, I don't know, machin, et je sais pas quoi faire, je suis emmerdé, je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau, je vous dis vraiment, je ne sais pas ce qui se passe, je décide d'imiter l'anglais sans parler anglais. Alors c'est assez facile, on a tous 3 ou 4 mots qu'on connaît en anglais, what not, Twitter, tu vois. Tu prends ces mots-là, t'enlèves les T et tu fais du yaourt entre les mots. Ça veut dire, what's not verb on Twitter, right on the left. Je dis, ça peut faire le truc, tu vois. Leur anglais est tellement claqué, elle pense que je suis british, moi je suis British, British, yeah, right. Je me retrouve à passer l'après-midi avec la meuf. Et je peux pas parler. Donc je suis avec la meuf. Je fais genre je connais. Beautiful, beautiful. Right, moi. Et je sais pas quoi dire. On se pose dans un bar, on commence à boire des bières. Et là, je me dis putain, je la kiffe bien. Je me dis putain, elle aussi, je vais la foutre enceinte, tu vois. Mais qui me dit que c'est pas la femme de ma vie? Tu vois, genre, ça se trouve, c'est la femme de ma vie. Ça se trouve, je vais me marier avec elle, on n'en sait rien. Et du coup, je me dis attends, faut peut-être à un moment donné que je lui dise que je parle français si je me marie avec elle. Sauf qu'il vient de se passer à peu près 3 heures, et c'est très compliqué, je vous jure, après 3 heures de faire l'anglais, de dire à la meuf « Écoute, en fait, je parle français depuis le début. » C'est compliqué, donc je suis là, je suis emmerdé, et puis je dis « Tu sais quoi, c'est pas grave, on ira se marier dans un pays où ça parle ni français ni anglais. On va inventer une nouvelle langue, on va apprendre la nouvelle langue ensemble du pays, et ça va passer. » Le soir, on arrive à sa chambre d'hôtel, on fait l'amour. J'ai baisé. Je parle à mes potes, là, d'accord? J'ai baisé. Et déjà, là, je partage un truc, ça, pour certaines meufs, parce que je sais pas si tous les mecs on ose le dire, mais en général, moi en tout cas, j'aime pas. Tu sais, des fois les meufs elles te font jouer sur ton ventre. Elles te font jouer sur ton ventre, je déteste ça. Non, je déteste ça parce qu'une fois j'ai failli me faire une faciale à moi-même. Je sais pas. J'ai entendu le bruit du sperme sur le coussin. Je me dis, mais le rapport à toi-même peut changer complètement, tu vois. Donc j'entends juste le comme ça. Et. Donc là, je suis là, et puis moi, c'est comme si elle était en train de me braquer avec ma propre vie. Hein. Je alright, je peux pas parler, je peux pas dire non, arrête ça. Et bref, elle me fait jour sur le ventre. Je suis pas bien avec. Après, la vérité, c'est que j'ai déjà dormi avec mon sperme. Franchement, ça m'est déjà arrivé. Le mien, je le gère. Mon sperme, je le gère. Le sperme de quelqu'un d'autre, ça tient pas longtemps. Tu vois, 5-6 secondes. 5-6 secondes. Mais là, c'est le mien, mais je suis pas bien. Et donc, elle se lève. Pour aller à la salle de bain, et j'ai là, j'ai une espèce de, je sais pas là, comme une crêpe mal foutue quoi, et du coup je la regarde, et il y a un proverbe qui dit « chasser le naturel, il revient au galop ». Et en la regardant, c'est le français qui est sorti, avec une phrase pas cool du tout. Je lui ai dit en français, « Est-ce qu'il y aurait des essuie-tout ?» J'ai vu dans ses yeux qu'on allait pas se marier, c'est-à-dire que j'ai... Je demande toujours des essuie-tout, là c'est un petit conseil pratique, évitez le PQ. Évitez le PQ parce que ça colle sur le gland et c'est une galère en l'air. Le petit conseil. Ça va toujours, on peut continuer. Ok, là, c'est une histoire qui peut me mettre la honte, mais je vais l'assumer. J'espère que là, autant j'ai dit au début que vous allez. J'espère qu'il y en a certains qui vont s'identifier à cette histoire. En fait, on m'a offert un casque de VR. Vous voyez tout ce que c'est que la VR, c'est la réalité virtuelle, tu mets ce truc et c'est impressionnant. T'as déjà fait le grand 8 avec ça, t'as vraiment l'impression que tu tombes, ça te fait... Tu vis le truc. Et moi, donc on me file ce machin, le premier truc que je me dis, c'est je vais me mater un porno quand je serai tout seul, tu vois. Je mets ça, je mate un petit porno avec ce... Non, mais moi je viens d'une génération, je sais très bien qu'il y en a qui l'ont vécu. Nous à l'époque on se branlait sur des magazines, tu vois. On n'avait pas. Non, sur les 3 Suisses, la redoute. T'as entendu toi, les 3 Suisses, la redoute. On attendait la collection printemps-été avec impatience, mon pote. Elles étaient tellement vierges, les meufs de la redoute. On était là sur des meufs. Alors maintenant ils ont des machins de dingue, tu vois. Nous on était. Il y a un truc qui a changé néanmoins depuis internet, au-delà de la profusion, c'est.
Bah avant, on était droitier pour la branlette. Mais maintenant, la souris est de la main droite, on est tous devenus gauchers aussi. On est complètement ambidextre de la branlette, sans aucun problème. Non, les mecs se branlent, les meufs se branlent. Faut arrêter les meufs qui balancent. Non, non, nous on se branle pas. Non, vous branlez autant. Et les meufs qui se branlent pas, dégoûtez pas les autres parce que c'est excellent, quoi, ok. Le seul truc qui change d'un mec qui se branle, c'est que les mecs, on peut se branler vraiment en se disant ça va, j'ai une minute. C'est, on est là. Et du coup, je mets mon truc de verre. Et j'avais déjà vu parce que je vais souvent sur Jackie et Michel. Et il y a plein d'onglets sur Jackie et Michel. Et un des onglets, c'est Jackie et Michel Immersion, qui est la version vraiment VR360 de Jackie et Michel. Et donc tu vas dans le truc, c'est incroyable. Alors pour ceux qui connaissent un peu le site de Jackie et Michel, si tu veux mater le film de 1 heure, tu dois payer. Sinon, t'as qu'une version qui fait à peu près 7-8 minutes. Et on va pas se mentir, c'est largement suffisant. Je veux dire, tu payes pour l'heure. À moins d'être tombé amoureux vraiment de la meuf. Ça m'est arrivé 2 fois de payer, mais normalement, ça va. Donc je mets mon truc. Et en plus, quand on se branle, les gars, on zappe de meuf en meuf. Ça, on arrive sur une meuf, fait, donc toi, tu vas commencer, mais tu vas pas me finir, ma vieille. Et on est dans ce délire. Hein. Et alors, ce qui est impressionnant, je te jure, tu regardes en VR, tu regardes pas les meufs au début. Je te jure, quand tu mets le truc de VR, au début, tu regardes la déco, tu fais OK. Piscine dans le salon, d'accord, ils m'ont mis bien. Après, tu regardes ta bite, tu fais putain, génial. Hein. Et j'y vais, je zappe de meuf en meuf, de meuf en meuf. Et là, j'arrive. Il y a, j'allais dire un bateau parce qu'il y a vraiment un bateau qui vient de passer. J'arrive sur une scène et il y a un Renoir qui me regarde mais super vénère, comme ça. Et moi je me dis apparemment il est dans une partouze. Vas-y, je cherche les meufs quoi, tu vois. Et donc je tourne pour chercher les meufs, tu vois. Et il faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a des films qui sont faits pour les mecs, mais il y a aussi des films qui sont faits pour les meufs. Et quand c'est un film pour les meufs, t'es une meuf. Et là, je le sais pas encore, mais j'étais un peu vite dans le choix. Là, il faut un peu d'empathie de votre part, mais à ce moment-là, je suis une meuf et je suis pas au courant, d'accord? Je suis pas au courant que je suis une meuf. Et comme je dis, tu vis vraiment le truc en vert. Je me retourne, au moment où je reviens, le Renoir, il est en train de me bouffer la chatte. J'ai 2 infos, quoi. Un, je suis une meuf et il y a un Renoir qui est en train de me bouffer la chatte. Tu vois, et alors j'aurais pu enlever le masque immédiatement, mais il y a la curiosité. J'ai dit, oh, oui, oui. T'as envie de savoir comment ça marche, tu vois. Et j'ai attendu juste un peu trop longtemps. Je te jure, j'ai attendu un peu trop longtemps. Il y a eu un point de montage. Le Renoir, sûrement en train de me ken en sueur. Dans les yeux, regarde, dans les yeux. J'ai terminé la soirée, je te jure, accroupi sous la douche, comme ça en train de trembler. Hashtag MeToo sur Twitter direct après. Là, il s'agit pas que de parler de cul aussi. Il s'agit aussi de sauver des vies pour l'histoire qui suit. Je vais carrément me permettre de donner des conseils qui peuvent sauver des vies. Alors, comment on va faire? Il y a un truc, c'est que quand la fille est au-dessus, et qu'elle commence vraiment à kiffer le moment, tu vois. Alors, il y a beaucoup de meufs souvent qui m'arrêtent quand je dis ça. Juste une chose, j'aimerais savoir comment tu sais qu'on est en train de kiffer le moment parce qu'on est très fort pour simuler. Donc, j'aimerais bien savoir. Parce que, alors là, tu te fourres le doigt dans l'œil, si tu crois que. Alors, non, on sait quand vous kiffez, en fait, il y a plein de choses tacitement sur lesquelles on se met d'accord, en fait, quand vous êtes au-dessus. Par exemple, quand vous êtes au-dessus et que vous commencez à kiffer, tu sais, nous, en fait, tacitement, on s'est mis d'accord sur un tempo. Petit tempo, tu vois, on s'est mis d'accord là-dessus. Et tout d'un coup, la meuf, sans prévenir, hein, elle va partir sur un autre tempo. C'est sur un jazz un peu compliqué, tu connais pas. Attends, mais on n'est pas du tout d'accord, qu'est-ce que tu fais là? Et elle retombe de tout son poids. T'es pas à l'aise du tout, d'accord? T'es pas à l'aise du tout. Alors, les gars, je vous dis, à ce moment-là, la meuf ne. S'en fout de ta gueule, clairement. Là, elle est en train de trouver un truc, tu es un sextoy dans sa tête. Là, c'est là. Presque, tu dois fermer ta gueule. Comment ça bouge? Alors, je vous le dis au cas où, les filles, à ce moment-là, nous, on ne kiffe plus du tout le moment. On a peur. On a peur d'un phénomène que j'ai appelé la fracture de la bite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans son excitation à faire une petite connerie, en fait, elle va surestimer la taille de ta bite. Un demi centimètre suffit, hein. Un demi centimètre suffit pour que. C'est une torsion à 90 degrés. Non. C'est extrêmement douloureux, d'accord? Il y a des mecs qui ont fait ça, je comprends. On a vécu, ça fait mal. Pourquoi je dis que c'est douloureux? Parce qu'apparemment les femmes ne le savent pas. Dès qu'elles te font, elles font. Ça va, je n'ai pas fait mal. Hein.
ça nique sa mère. Main sur la hanche, les filles ont ralenti la cadence. Alors c'est valable dans l'autre sens. Hein. Quand la fille est en dessous et qu'elle commence à kiffer le moment, alors là, il y a plein de meufs qui m'interrompent à ce moment-là du spectacle. J'aimerais bien savoir comment tu sais qu'on kiffe le moment quand on est en dessous, parce qu'on est très fort pour simuler. Alors pareil, il y a des trucs que vous faites quand vous êtes en dessous et que vous kiffez le moment, dont vous ne vous rendez pas compte. Mais nous, on comprend que vous kiffez à ce moment-là, d'accord ? C'est-à-dire que votre regard déjà change complètement. Vous ne regardez plus du tout avec les yeux de l'amour. Dans votre tête, à ce moment-là, on est devenu un psychopathe. Un psychopathe qui vous a kidnappé, vous reconnaissez même pas la pièce. Et il va se passer un truc impressionnant, ça arrive une fois sur 17. Les yeux de la meuf vont se révulser. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle a les yeux qui vont... Elle va avoir les yeux blancs, elle va commencer à trembler, d'accord ? Alors à ce moment-là, j'ai un petit jeu pour les mecs. Faut attendre qu'elle ait les yeux blancs, hein, sinon elle te tue dans ton sommeil, mon pote. C'est, dès qu'elle a les yeux blancs comme ça, moi j'adore jouer à l'exorciste. Ah, oh, mais nous pas appris 5 filles, non. On peut monter un petit peu ? Alors là, pour ce qui va arriver, hein, peut-être je risque. J'espère que je risque pas, mais bon, si c'est une vérité en même temps. Est-ce que parmi vous, certains ont déjà été à Dubaï ? Non. Alors il y a un truc qui est assez frappant à Dubaï, c'est que déjà dès la douane, t'as des douanières, elles sont voilées, et c'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire en France, mais qu'est-ce qu'elles sont belles ! Tu vois les femmes, elles rentrent à Victoria's Secret, elles sont voilées, et moi je suis à Dubaï, je vois toutes ces femmes voilées super bonnes, j'arrive à la chambre d'hôtel, et je fais un truc de malade. Déjà, il faut des VPN pour aller sur les sites, à part Jackie et Michel, qui est en libre accès à Dubaï, c'est bon, sinon il faut des VPN, et là, je vais dans la barre de recherche, je sais pas ce qui me prend, je tape « femme voilée » dans la barre de recherche. Quand tu sais que quand tu tapes « femme voilée » dans la barre de recherche de YouPorn, tu vas en enfer, au cas où t'es... Ceux qui rigolent là aussi vont aller en enfer. Et j'ai « femme voilée », et là, je sais que ça peut choquer, mais je suis tombé sur un... femme voilée, c'est le Norman fait des vidéos du film de cul. C'est-à-dire que c'est des millions et des millions de vues, d'accord ? C'est un truc doux. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont allés là, d'accord ? Et du coup, il y a un truc qui est excitant là-dedans, je sais pas pourquoi, donc je suis là-dedans, je deviens ouf. Et je rentre à Paris, et moi, avec ma meuf, on partage tous nos fantasmes. Tu vois, c'est le truc qu'on s'est dit, on est d'accord sur tous nos fantasmes. Ma meuf, elle est belge-italienne, d'accord ? Je vais la voir, et des fois, moi, j'oublie que je suis rebeu. Je te jure, des fois, j'oublie complètement que je suis rebeu. Et je vais la voir, je dis, voilà, un truc qui me plairait. Ça me ferait vachement kiffer que tu mettes un voile, quoi. Juste pour le cul. Ce qui est très bizarre. Alors, il y a beaucoup de meufs aussi qui me disent, non, mais tu te rends pas compte, le voile, c'est la soumission de la femme. Alors, on est en train de parler d'un truc que je fais dans ma chambre dans le cadre d'une activité sexuelle. C'est-à-dire que moi, ma meuf, au lit, des fois, elle me met des menottes et des fessées. Tu vois, c'est un délire, tu vois. Ça, c'est la soumission de l'homme aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est que si elle fait ça, j'ai le droit de la voler. Et j'ai le droit. Et hyper kiffant, machin, je fais mon délire. Mais encore une fois, c'est un jeu sexuel, tu vois. Et j'ai l'impression que j'y crois pas assez, quoi. Je suis dans le truc, mais tu sais, je sais pas son truc. C'est comme si elle avait acheté une tenue d'infirmière dans un sex shop, t'y crois pas vraiment, quoi. Et encore vaut mieux ça que les vraies tenues d'infirmière. Mais je me dis, voilà, pour vraiment que j'y crois, est-ce que tu veux pas, mais c'est juste, je t'assure, c'est juste pour le cul. Est-ce que tu veux pas lire le Coran et faire la prière 5 fois par jour? Mais juste sexuel. Quand je vais mettre ça sur internet, à mon avis, il y aura des menaces. Hein, je m'y attends clairement. Y a aussi un autre truc. Y a un truc aussi pour que. Ça va, parce que je vous vois et je sais que là dans la salle, il y a des gens, amoureusement, ça va pas. D'accord Mais il y a plein de trucs que j'ai compris. Moi aussi, hein, j'ai cru que jamais je serais heureux. Je me suis marié il y a une semaine. Voilà, pour te dire le délire. À Vegas, ouais, j'ai fait le délire. Ouais, je suis bien. Heureux, tout va bien, je kiffe. C'est charmé. Et il y a un truc qui est né, c'est que il y a plein de choses qui ont changé en moi. Déjà, la première chose qui a changé, c'est que j'ai arrêté d'être jaloux. J'étais un jaloux maladif, quoi, d'accord ? Et j'avais une jalousie, j'ai honte hein, de ce que je vous racontais, mais c'est important de pouvoir faire confiance à l'autre, d'accord ? Et elle avait, donc c'était mon ex, rendez-vous chez le gynéco, parce que, bon, comme c'était une histoire qui devenait un peu sérieuse, elle me fait « Est-ce que tu veux m'accompagner chez le gynéco ?» Comme elle était enceinte, je me dis « Bon, peut-être qu'on va y aller, quoi. » Et on arrive chez le gynéco, premier rendez-vous, dans la salle d'attente. Et
On s'assoit. Alors, c'est un docteur comme les autres, hein, d'accord. Mais quand tu arrives dans la salle d'attente, tu sens que ça t'est pas dessiné. C'est beaucoup des magazines où la plupart du temps, c'est des tests. Et si tu as le maximum de triangles, ça veut dire que tu es une belle personne. Voilà, c'est à peu près ça les magazines qu'il y a chez le gynéco. Là, le gynéco sort et très bel homme. Vraiment, c'est gynéco, beau gosse de ouf. Okay, pour bien vous compreniez à quel point il était beau, le gynéco. Franchement, si je devais maintenant établir là une liste des trois mecs sur Terre que je peux sucer, il est dedans direct, d'accord. Viens, on est honnête, tous les mecs, on a la liste des trois mecs qu'on peut sucer. Hétéro, machin, on a trois mecs. Oui, 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 et la liste change. Dès que tu suces un mec, tu remplaces par un autre pour toujours garder les trois mecs que tu peux sucer. J'ai entendu un. Ah, t'as jamais imaginé que tu suces un mec? Comment tu sais? Au juste imaginer, quoi. Et faut pas regarder en bas, tout. C'est un. Comme l'escalade. Voilà. Et écoute, donc on se lève tous les deux, et là ma meuf me fait par contre, tu m'attends dans la salle d'attente. Et là je me dis, en fait, j'ai marché avec toi, je t'ai pas accompagné, c'est juste marché. Et on arrive, il va, donc j'attends, je suis pas bien. Je me rends compte que je suis jaloux, en fait. Je me dis, moi, ce que je me dis, c'est que de l'autre côté du mur, ça se trouve, ce qui se passe, c'est ça va, madame, tu kiffes et tout. Et je sais que c'est pas bien, je sais que je devrais, c'est un docteur, je devrais pas me dire ça, mais j'ai ça en moi, j'ai cette jalousie de merde, tu vois. Et là, je commence à me poser beaucoup de. Je suis vraiment pas bien, je suis vraiment pas bien et je comprends pas. Je comprends pas déjà. Tu sais que t'es un peu jaloux quand tu vois un mec gynéco et que tu te dis d'où il est gynéco lui. À quel moment il s'est dit ouais, moi je vais faire des études poussées parce que je dois avoir 10 vagins par jour. Tu sais, je me dis, il y a un problème, tu vois. Et je comprends même pas les meufs qui vont voir un mec gynéco parce que le mec, si tu veux, il est pas équipé pour comprendre. Il a pas de. Tu sais, je me dis, il a pas de vagin le mec. Il peut pas dire ah, ça marche comme ça, d'accord. Pour vous dire, c'est comme si moi j'allais voir un. Pour moi, c'est comme si j'allais voir un dentiste qui a pas de dents. Regarde, oh, monsieur. Ouvrez la bouche! Ah, les gars, elles sont pourries! J'ai l'impression que je lui ferais pas confiance, perso. Perso. Après, faut pas s'étonner de puer de la chatte, sinon, hein, tu vois. Et donc, je fais, ah, je suis pas bien, je suis en train de bouillir intérieurement, tu vois. Et là, elle sort, elle voit que je lui fais la gueule, elle fait, wesh, t'arrives quoi, d'où tu fais la gueule, wesh. Alors, elle parle pas comme ça, mais comme je la déteste, c'est comme ça que je l'imite en public. Voilà. Et je lui dis, écoute, je comprends pas, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi. Tu vas voir un mec gynéco, je comprends pas. Et en fait, c'est pour ça que je m'excuse. Il y a une chose que je savais pas que j'ai appris, c'est que en fait, si les meufs vont voir, pour les mecs, je vous apprends un truc peut-être, mais si les meufs vont voir un mec gynéco, c'est assez collégial comme réponse parce qu'apparemment, un mec gynéco, c'est beaucoup plus doux. Voilà. Alors, je vous le dis au cas où, les filles, à aucun moment cette réponse ne rassure un mec jaloux. C'est-à-dire que. À aucun moment, le gars. Oh, elle est plus doux. Non, mais il y a plus de douceur. Oh. C'est plus délicat. Oh. Ça rassure pas du tout. Après, elle m'a dit, ça va, calme-toi, c'est juste un frottis. Le mot qui arrive derrière, c'est frottage. Je me disais, c'est quoi les gynécos, hein. Et je peux comprendre qu'il y a des nains qui se disent dans la salle, non mais c'est quoi cette vision médiévale qu'il a sur la gynécologie. C'est parce que c'est qu'un frottis, paraît pas comme ça, parce qu'il n'y a rien de très agréable dans un frottis. Donc ils se calment tout de suite, parce que nous, aujourd'hui, on a le droit de vote. Hein. Nous, maintenant, on a le girl power. Bon, on va faire un hashtag, et son nom et son prénom, il va être retweeté par Michel Obama, il va être bien dans la merde, gars, tu vois. Calmez-vous déjà. Alors, bien, on inverse les rôles. On se dit qu'à partir de maintenant, les gynécos, c'est que pour les mecs, ok. Les gynécos, c'est que pour les mecs. Hein, tu kifferais? Que des meufs. Bah, lui, si c'est un mec, c'est sûr qu'il y va pas, il a que des meufs. Hein. Moi, même si j'ai une mycose, j'y vais pas. Hein. Ça m'étonnerait, en vrai, ça m'étonnerait que nos meufs acceptent qu'on aille voir une meuf gynéco. Il n'y a même pas besoin de dire belle. Hein. Ça m'étonnerait que nos meufs acceptent, genre, bonjour monsieur, c'est pour votre frottis? Bien sûr. Détendez-vous, installez-vous. Je vous rappelle comment elles sont chez les meufs chez les gynécos. C'est ça, d'accord. Détendez-vous, on s'installe. On est tout mou aujourd'hui, il faut se détendre, on se détend. On se détend un petit peu, il me le faut de toute façon. Il va falloir faire un effort, hein. Il va falloir faire un effort. Il n'y a aucune meuf qui est... Elle voudrait qu'on aille voir un mec gynéco. On pourrait même pas le choisir, au cas il fait partie de la liste des trois mecs qu'on peut sucer. Tu sais, un petit gynéco, genre un peu Danny DeVito, avec calvitie mais queue de cheval quand même. Il aurait une moustache de Nietzsche, bien turc, tu vois. Il aurait des poils avec une gourmette, je vais le customiser. Il transpire, il a les lunettes avec la buée, tu vois. Il a un accent mexicain, le bâtard, il est là. Détendez-vous! Détendez-vous! Je me suis longtemps demandé, mais comment je vais pouvoir faire pour être heureux dans ma vie amoureuse, tu vois. Et il y a eu une espèce de déclic très chelou. C'est souvent,
c'est des anciennes histoires qui peuvent te niquer la tête. Et j'espère que ça va être inspirant pour vous, parce que parfois on se rend pas compte. C'est important de parler à ses potes, ou un psy, ou un Uber, on s'en fout, mais... c'est important de parler aux gens, parce que moi c'est comme ça que cette histoire est ressortie, et ça m'a complètement libéré. Donc c'est une meuf qui était dans ma classe, quand j'étais plus jeune, j'étais troisième, comme ça, on était en troisième. Et j'étais très amoureux d'elle, elle s'appelait Séverine, et j'étais amoureux d'elle en secret. Alors là, je vous dis à tous ceux qui ont été amoureux en secret de quelqu'un dans leur classe, je vous le dis au cas où, toute la classe est au courant, d'accord ? Il y a toujours un connard qui vient de voir en disant « je t'arrange le coup ». Et franchement, je t'arrange le coup, t'inquiète. Lui, il va te niquer le coup, c'est sûr et certain, d'accord ? Lui, c'est terminé. Et du coup, j'ai peur qu'il ait eu parlé, à la récré, je vais la voir, et je lui dis « voilà, Séverine, je lui dis deux phrases. Je lui dis « Séverine, tu me plais, je te trouve très jolie, elle veut bien sortir avec moi, et elle me propose qu'on aille à la Foire du Trône. » Alors, je sais pas, il y en a qui connaissent la Foire du Trône ? Pour ceux qui connaissent pas, voilà, la Foire du Trône, faut... En fait, la Foire du Trône, c'est comme Disneyland, mais tenu par des gitans. Voilà. T'es en sécurité ni dans les manèges, ni dans le parc. Voilà. C'est un... Et elle me dit, écoute, on va être un peu timide, c'est notre premier rendez-vous. Viens avec un pote, je viens avec une copine, et ça sera un peu groupe, on sera plus à l'aise. Elle vient avec Julie, une fille timide, réservée. Le seul pote qui veut venir avec moi, il s'appelle Moiseria Senkaira, d'accord ? Il est tout le temps vénère. On s'installe dans le premier manège. Je suis comme ça. Mon pote s'installe juste à côté de moi, en face de mon pote. Il y a Julie, la copine timide et réservée, et en face de mon pote, il y a Séverine, la meuf que j'aime, et en face de moi, il y a Julie, la fille timide. D'accord ? Ils nous mettent les protections. Et là, ils envoient le manège à 35 mètres du sol, et ils le bloquent, on a la tête à l'envers, on pend, on est comme ça. Et je vois mon pote à côté de moi, il commence à faire ça. Lui, il est en train de cracher à 35 mètres du sol. Il n'y aurait pas eu Séverine, je l'aurais accompagné. Hein. Mais là, il y a Séverine, je suis gêné, j'ai envie qu'il arrête. Mais avant que je puisse lui dire d'arrêter, il y a un fil de bave qui part de sa bouche. Et moi, je ne savais même pas qu'on pouvait faire des fils de bave de 35 mètres. Mais lui, là, il est parti en mode sniper. Il en voulait à quelqu'un, apparemment. En particulier, il est parti en mode sniper. Il visait un gars comme ça. Et moi, je ne suis pas bien. Je dis, vas-y, s'il te plaît, moi, arrête de cracher sur les gens. Ça se fait pas, tu vois. Et là, il me regarde avec un regard. Franchement, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il me fait, frère. J'ai envie de vomir. Avec toujours le fil de bave. Toujours, il est là, le fil de bave. Et je pense ça. Et à l'époque, je sais pas s'il y en a qui ont vu le premier film Taxi avec Samina Seri, mais la première scène, il y a Samina Seri qui dit au client dans son taxi, ne vous inquiétez pas, on ne vomit jamais dans le taxi, c'est en sortant du taxi qu'on vomit. Je lui dis la même chose. Je lui dis, t'inquiète pas, on ne vomit jamais dans le manège, c'est en sortant du manège qu'on vomit. D'accord ? On est passé de l'état stationnaire à 350 km/h en une fraction de seconde. On a pris 7G comme ça, dans le dos, comme ça. Écoute, j'ai vu le vomi. On aurait dit une expérience de la NASA. C'est parti tout droit. C'est perpendiculaire à mon visage. Et en face de lui, il y a Séverine, la meuf que j'aime, tu vois. Elle a vécu l'exorciste en 3D, mon pote. Elle a vécu un truc. Elle a rien compris. Elle s'est pas rendue compte tout de suite de ce qui se passait. Au début, elle a cru que c'était un brumisateur que nous offrait la Foire du Trône. Quand elle a réalisé ce qui se passait vraiment, elle a eu un très mauvais réflexe. Non ! Qui, en cas de vomi, est un très mauvais réflexe, d'accord ? Là, le manège repart dans l'autre sens. J'ai vu le vomi faire un aller-retour, bam, revenir sur la tête de mon pote. Et là, t'as le mec de la fête foraine. Est-ce que vous voulez encore un tour ? J'entends pas mettre un maximum de bruit, on a un bâtiment doux. Ils sont sortis de là, tu sais. Alors, le vomi, il avait séché sur la gueule de Séverine. Et moi, je pouvais plus l'embrasser. Alors que, tu vois, je peux pas. Je pense au vomi de moi tout le temps, tu vois. Je peux plus l'embrasser même après. Ça m'a niqué la vie, d'accord, ce que je suis en train de vous dire. Ça fait plaisir de le partager avec vous. C'est quoi, ma fille de 14 ans, je lui ai raconté ça parce que je sais, c'est dur à accepter pour moi, mais c'est l'âge où elle va commencer à avoir ses premiers émois amoureux, tu vois. Et j'ai envie qu'elle me le raconte, même si c'est dur, parce que moi, j'aurais jamais pu raconter quoi que ce soit à mon père, tu vois. C'était pas possible. Et donc, moi, ma fille, j'ai vraiment envie qu'elle me dise tout, qu'elle soit là avec moi. J'essaie de lui offrir une éducation que, clairement, mes parents... En fait, pour vous dire, pour vous compreniez un petit peu d'où je viens, ma mère... je sais pas s'il y en a qui ont eu ça aussi... dans ma culture, c'est presque normal, mais ma mère était une sorcière. Pour vous dire ce qui se passait, c'est que moi, je pouvais me réveiller au milieu de la nuit, il y avait du charbon qui brûlait devant des photos de gens que j'avais jamais vus de ma vie, d'accord ? Ma mère, j'avais pas peur qu'elle me tape, hein, j'avais peur qu'elle me coupe une mèche de cheveux. Tu vois, ça, c'est vraiment le truc. Moi, ma fille, ils
sont moins naïfs, les gamins, aujourd'hui. Tu vois, ils ont Google, etc. C'est pas qu'ils sont plus intelligents, ils ont des smartphones. Moi, je peux pas dire à ma fille, fais gaffe, je suis sorcier. D'accord, elle me croirait pas. Ma fille, elle se la pète, d'accord. Elle a son truc de smartphone. Moi, je me rappelle à 9 ans, pour vous dire à quel point les enfants sont moins naïfs, elle a perdu une dent de lait à 9 ans. Elle arrive, elle fait, papa, je vais la mettre sous l'oreiller, la dent de lait. Et je l'attaque direct, je fais, ah ouais, donc toi, tu crois encore à la petite souris. Dans les yeux, elle fait, non, par contre, je crois que tu vas me donner de l'argent. Les gamins n'ont plus la naïveté qu'on avait. Moi, à son âge, je croyais encore au Père Noël, tu vois. Et j'ai une famille musulmane, c'est aussi con, tu vois. Mais c'est un truc sur la naïveté. Ma fille n'a pas peur des films d'horreur. Pour elle, papa, c'est du CGI, VFX. Enfin bon, à un moment donné. J'ai dit, donne-moi la main quand même, tu vois. Ça me fascine, ça. Elle adore les films de la série et de la franchise Conjuring. Pas si vous... Hyper flippant, hyper flippant. Il y a des tables qui volent, vraiment, c'est un délire. Paise, et elle avait 11 ans, ça sortait au cinéma, il y avait un truc qui sortait au cinéma, et elle voulait absolument qu'on aille le voir au cinéma, et je peux pas résister, on va au cinéma, et je vois que le film est interdit aux moins de 16 ans, je peux pas y aller avec ma fille, je suis désolé, on peut pas y aller, et elle insiste, et je lui dis, non mais c'est pas possible, c'est interdit aux enfants, tu vois, et elle me regarde, elle a une idée, elle fait, j'ai une idée, t'as qu'à dire que je suis naine. Franchement, tu peux pas, parce que même si je trouvais que c'était malin, mais tu peux pas aller à la caissière et faire voilà, j'aimerais deux places pour Conjuring. Monsieur, c'est interdit aux enfants. C'est pas une enfant, c'est ma copine, elle est naine, vous avez un problème avec ça? Tu vois, je pouvais pas faire ça. Par contre, je trouve que c'est une super idée pour, par exemple, je sais pas moi, si. t'imagines, après l'école, il y a un inconnu qui vient lui demander des bonbons, tu veux des bonbons, ma petite fille? Je suis pas un enfant, je suis une naine. Pardon, madame, désolé. Ça peut te sortir de la merde. Il y a aussi un âge où les enfants, ils veulent plus que tu les accompagnes, ils ont honte de toi en fait, ils veulent plus que tu les accompagnes à l'école. Parce que en fait, dans leur tête, ça a dû vous arriver, j'espère que je suis pas le seul. Je me rappelle d'avoir eu honte de mes parents aussi, tu vois, mais je pense qu'on a tous ça, tu le sais, parce qu'ils veulent plus que tu les amènes jusqu'à la grille de l'école parce qu'ils te trouvent dégueulasse en fait. Ils veulent pas que les autres enfants te voient avec parce qu'ils te trouvent vraiment dégueulasse. Et ça me fait chier parce que, un, je me trouve pas dégueulasse, et deux, je me dis, attends, je suis humoriste, ma fille, elle devrait être fière de moi. Tu sais, je suis humoriste, alors dans la tête de ma fille, je suis un humoriste. Mais je suis un ringard. C'est dans la tête de ma fille, je suis Broville. Oh là là, Broville ou quoi ? Oh là là ! C'est un peu comme ça qu'elle voit mon travail. C'est elle un peu honte, tu vois. Et c'est il y a quelques années, et à ce moment-là, j'ai mon ancien producteur qui m'appelle et qui me dit écoute, voilà, là, je m'occupe d'un artiste qui est beaucoup sur YouTube. Il fait plein de vidéos, etc. Est-ce que tu veux pas partir en tournée avec? Lui, il montre tous les trucs d'internet. Toi, tu lui montres un peu la scène. Il a jamais fait de scène. Ça va être son premier spectacle. Et vous allez, il y a peut-être quelque chose de beau qui peut. Vous n'avez pas entendu parler de lui. Il s'appelle Norman, fait des vidéos. Voilà. Donc, je pars avec Norman. Je le connaissais pour deux raisons. La première, c'est que j'avais dit à plein de potes de regarder mes vidéos sur YouTube à l'époque. Et ils revenaient toujours vers moi en disant, on t'a pas trouvé, mais on a trouvé un mec qui s'appelle Norman, fait des vidéos. Je dis, tiens, le bâtard, grâce à moi, il est devenu connu. Parce que j'ai envoyé plein de potes sur voir mes vidéos. Et ma fille connaissait Norman. Et elle avait honte de moi, donc je me plaçais avec la petite. Je pars avec Norman. Alors, je vous raconte un truc, c'est que la première date qu'on a fait ensemble, la toute première date, je connaissais pas trop, je savais pas à quoi m'attendre, etc. Et pour monter sur scène, je vous dis, c'est ça, la première année surtout, t'as mal au bide, t'as envie de vomir. C'est hyper particulier d'être sur scène et d'avoir tout le monde qui regarde d'un côté, toi de l'autre, et puis tu sais, t'es un peu comme ça, et t'as envie de vomir tout le temps, etc. Et lui, il est censé m'annoncer, il doit dire, voilà, en première partie, no manosni. Et là, il vient moi, mais je peux plus parler, je suis pas à l'aise. Et je fais, ok, je comprends, t'inquiète pas. Je fais la première partie et je t'annonce. Concentre-toi sur ton texte, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. J'arrive, donc personne m'annonce, les gens ne sont pas au courant qu'il va y avoir une première partie, donc j'arrive comme ça. Et là, je vois au premier rang les pieds qui ne touchent pas le sol. C'est-à-dire que moi, je vois ça au premier rang. Ils me regardent comme ça, les enfants. Et moi, j'avais préparé, tu vois, des sets sur la gynécologie, tu vois. Et là, je me dis, putain, mais c'est pas du tout. Là, je suis pas du tout au bon endroit, là, tu vois. Et je suis un peu. Je suis pas bien. Et je dis, attends, récupère-toi, tu vas trouver des vannes. Et du coup, je commence par me présenter. Je dis, donc, bonsoir. Alors, je m'appelle Noman. Et là, il y a un malaise. D'accord. Là, il y a un malaise. Je comprends pas tout de suite. Mais en fait, là, les gamins, ils disent quoi? Ils disent, putain, mon père, il est trop con, quoi. T'appuies sur le R. Et les gamins se disent ça, là, tu vois. C'est-à-dire que j'ai des gamins qui. C'est qui se rebeut, là, tu vois. Et j'entends un pleur au fond de la salle. Là. C'est-à-dire que là, je me dis. Je suis en train de faire le contraire de mon métier, c'est-à-dire que je fais pleurer des enfants. Et autant vous dire que cette date se passe super mal. Et après, je me suis adapté, vous trouvez sur YouTube des sketchs sur la colle.
Je suis pas bien du tout dans cette configuration. Puis je me suis adapté, ça s'est super bien passé. On est devenu très potes avec Norman. On a commencé à faire des Instagram ensemble, etc. Et moi, je reviens de ma tournée, je suis avec ma fille le matin. Et là, ma fille, elle me fait « Tu vas me chercher à l'école ce soir ?» Et moi, je suis content. Je me dis « Tiens, le moment de la honte n'a pas duré longtemps. J'oublie complètement ma tournée, etc. Machin, je suis... Bien sûr, je viens te chercher à l'école. » Et elle insiste, elle fait « T'oublies pas, papa, hein, tu viens me chercher à l'école. Hein. » Et là, je commence à flipper. Elle insiste, je me dis « Oula, ça se trouve, elle est en train de se faire racketter. » Et elle n'ose pas me le dire. Donc, je fais « Ok, on est là, on est tous les deux. Tu me dis ce qui se passe, tu peux tout me dire, tu sais très bien, tu peux tout me dire, je suis cool, tu peux tout me dire. » Et là, je vois les larmes qui montent, je fais « tout va bien, ma fille, c'est sûr. » Non, mais c'est pas ça, c'est que tu vois à l'école, j'ai des copines qui me follow. Oui, dis-moi, est-ce qu'il va pas? Sur Insta. Ouais, et elle croit pas que t'es mon père, elle dit « je suis une mytho ». Là, moi, ah. Ah, on a besoin de papa maintenant. Ah, j'ai envie de faire plaisir à ma fille, je fais écoute, va dire à toute ta classe que ton papa, il vient te chercher. Va dire à toute l'école que ton papa vient te chercher, ok? Je suis arrivé devant l'école, je vais vous dire un truc, je sais ce qu'a pu ressentir dans sa vie Justin Bieber, d'accord? J'ai vu des enfants vraiment faire waouh, c'était un truc de ouf, et j'ai voulu vraiment faire plaisir à ma fille, du coup, c'est pas un Uber que j'ai commandé une voiture de luxe, ok? Voiture de chauffeur, habillé avec le képi, chauffeur de ouf, tu vois. Et j'habite pas loin, ça m'a pas coûté cher non plus, tu vois. Là, on arrive devant l'école, vite intérieur, comme ça, moi, poker face, quoi. Les enfants comme des ouf, le chauffeur sort de la voiture, il prend le cartable de ma fille, d'accord. Ma fille, elle fait genre, c'est normal, t'es là. Merci. Elle s'installe dans la voiture. La voiture fait quoi? À peine 30 mètres. Et là, ma fille. Oh, c'est qui pose là? Ouais! Je découvre que quand ma fille est heureuse, elle a une voix d'homme déjà. Et là, t'as le chauffeur de la voiture qui se retourne et regarde ma fille. Il me fait. Vous voulez un bonbon, mademoiselle? Ma fille, je suis pas un enfant, je suis une naine, ok? Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Là, c'est incroyable parce que là, ça fait quelques temps où je suis content, ça marche, les salles se remplissent et c'est le moment où je décide de lâcher toutes les boîtes de prod qui étaient avec moi, de tout faire tout seul. Et c'est rassurant. Pourquoi je dis ça? Ce que je vais dire là, même si je touche qu'une seule personne, c'est important pour moi de le partager avec vous. Avant de faire ce spectacle-là, en fait, j'ai fait une putain de grosse dépression. Et je te jure qu'en dépression, je sais pas s'il y en a qui ont vécu ça, j'étais down, j'ai commencé à faire de la muscu comme un ouf. En dépression, je sais pas, je commençais à pousser. Ma vision du monde a changé. Je regardais les bodybuilders, mais putain, il a dû avoir des soucis de malade. C'est ouf. Là. Et je regardais ma fille qui apprenait à marcher à ce moment-là. Et je me disais, c'est quand même incroyable parce qu'elle tombait, je me disais, elle va pas se relever. Franchement, elle tombait comme dans les films américains. Tu as déjà vu les positions de films américains comme ça? Et elle se relevait à chaque fois. Et les bébés, franchement, c'est assez impressionnant parce que ils pleurent pas longtemps. Ils pleurent 30 secondes et ça part. Et parce qu'en fait, ils ont une résilience et ça vient. L'accouchement, c'est tellement dur en fait. L'accouchement, c'est un truc tellement dur. Et je vous le dis, hein, c'est dans les moments difficiles que vous créez cette force, ce truc-là. C'est pas dans vos victoires que vous créez la force de caractère. C'est quand ça va pas. Quand vous êtes vraiment down, c'est là que vous créez votre force de caractère. Et pareil. On tombe, on a des... Alors peut-être qu'il y en a un dans la salle ou une qui a envie d'être, je sais pas moi, écrivain par exemple. Et il y a un truc qui est quand même impressionnant, c'est que quand t'es petit, les bébés pour apprendre à marcher, ils tombent à peu près 2000 fois. C'est ici que j'ai vu sur Google. ils se relèvent 2000 fois, il y a la résilience de se relever à chaque fois, d'accord? Et plus tu grandis, plus tu n'y arrives plus, d'accord? Une phrase qu'on peut dire quand on est adulte, c'est on garde la douleur longtemps, on peut très bien dire... tu te rappelles quand j'avais mal il y a 7 ans, bah, j'ai encore mal, tu vois, c'est un truc comme ça. Et pareil, on tombe 4 fois, tu veux écrire ton livre, t'as écrit 4 bouquins, tous refusés par des boîtes d'édition, et bah il y en a qui abandonnent à ce moment-là. Abandonnez pas, et en plus aujourd'hui, putain, il y a plein de moyens, vous pouvez mettre votre livre sur, en e-book, enfin il y a plein de... Je dis ça parce que moi ce qui m'a aidé à me sortir de ça, c'est voir cette petite qui se relevait, et s'il y a un truc qui m'a vraiment aidé, et
je le partage avec vous et puis après je vais aller fumer mon pet et vous pouvez me rejoindre si vous avez envie. Il y a aucun bébé au monde, d'accord, qui tombe 4 fois et qui dit ce truc-là ne fonctionne pas, j'y vais en rencontre. Voilà. Regardez ça, merci beaucoup.